queste siamo noi. Uno sguardo, un sorriso e poi via. Puoi volare tra le stelle insieme a noi. Un petit moment de repos comme ça. Oui, ça fait tellement de bien. Tu l'as dit. Enfin, sans devoir se battre. Ah, j'ai une idée aussi. Non, ne nous dis rien. Vas-y, je t'épouse, t'es là, maman. Je cherchais la dernière fois des vêtements pour dire de faire un peu plus aventurière parce qu'on va pas se... Je veux dire, on va pas faire... grimper des montagnes avec ces vêtements-là. Moi, les miens vont très bien pour grimper des montagnes. Je pense que les miens aussi. On a toutes des bottes et c'est ce qu'il faut. Non, je vous jure, j'ai fait plusieurs collections et je trouve que il faudrait qu'on change un peu. Regardez un peu de ça. Vous avez ici une paire de bottes qui pourrait nous aider. Et aussi, il y a un peu de moude, donc ça pourrait nous réchauffer. Et ça, c'est un peu plus pour l'été, donc voilà, pour les deux paires de bottes. Et après, des chaussures comme celle-ci pour quand on est tranquillement à l'appartement. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Stella, on se repose sérieusement. Oui. C'est pas pour dire, mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que Musa ne va pas se réveiller. Si, ne t'inquiète pas, elle est forte. Et là, elle est là pour elle. Peut-être. Moi j'ai un mauvais pressentiment mais je sais pas pourquoi c'est. Peut-être que c'est pour Musa aussi. Oh, arrêtez vos mauvais pressentiments, elle va se réveiller. Je lui ai concocté une tenue spéciale pour elle. Oh mon dieu, je suis sûre qu'elle a hâte de voir ça. Moi j'ai hâte de la voir. Oh non. C'est pas vrai, on pouvait pas se reposer tranquillement. Désolée. Votre moment de repos est terminé. Wings, transformation. Bloom. Découvrons la force qui peut nous guider, l'étincelle dans nos...
t'attaquer. Pas si vite, moi aussi j'ai des pouvoirs plus puissants. Quoi? Regardez bien ça. Attaquez! Qu'est-ce que ça peut bien être? Coucou! Ah! Nous aussi on est puissante. Ah. Bonjour, chère fée. Ah, et tu crois que c'est ça qui va nous faire peur? On se battra jusqu'au bout, même si on a toutes les chances de perdre. Salut. Nebula. Eh oui, moi aussi j'ai rejoint le clan de Valtor. C'est un meilleur clan que celui de Gwendoline. Chacune une fée. On est quatre, elles sont quatre, elles n'ont aucune chance. Les filles, je crois qu'on est dans le beau drap, on gagnera jamais. Si, on gagnera. Car je vais faire appel à mon coquillage magique. Bloom, non, c'est trop risqué. C'est de la capture. Ne t'inquiète pas, Flora. Je sais très bien comment il fonctionne maintenant. J'ai réussi à sauver Tecna. Oui, avec elle a pu me sauver du froid. Mais je ne sais pas si là, ça va être pareil. Il va falloir que tu les laisses attaquer, pas que tu les sauves. Ne t'inquiète pas. Je sais le manier, mon coquillage magique. Et je suis très très puissante avec. Belle aux forces de mon coquillage magique. Je vous battrai. J'ai tellement peur. Tu as peur? Tant mieux pour toi. Tu as une raison d'avoir peur. Bloom, doucement, s'il te plaît. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, il y a de l'eau pas loin. Je pourrais aller me renforcer dans la mer s'il le faut. Bloom, on te laisse y aller en avance. Je pense que c'est toi qui as le plus de pouvoir pour le moment. Vas-y Bloom, on est là derrière toi si jamais tu as besoin. Merci les filles. Vous êtes prêtes à voir la fureur du dragon avec un supplément de coquillages. Je serai beaucoup plus puissante que vous quatre réunis. Pouvoir suprême du coquillage. Fureur du dragon. Ah, il est devenu incontrôlable. Ah. Mes pouvoirs sont trop faibles. Je peux plus bouger. Coquillage. Où peux-tu être? Oh, je n'ai plus de force. Je ne peux plus bouger. Moi non plus. Maître Valtor, nous sommes désolés. Quelle bande de fainéantes. Je ferai tout pour me battre jusqu'au bout. Lève-toi, Nebula. Oui, Seigneur Valtor. Je vais encore appeler un allié. Ne bouge pas. Je n'allais pas bouger. Gwendoline ! Elle nous sera utile. Maître ? Je suis là. À ta clé, je me repose un peu. Aucun souci. Destruction de pollution. Bouclier de fleurs. Pollen de lilas. Bouclier polluant. Soleil de solaria. Miroir. Ah! La noire. Bouclier technomagique. Force de zénith. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se sortent aussi bien que moi. Tu ne risques pas de bouger, tu es paralysé, Valtor. Stella. Si tu veux te battre un adversaire de ta taille, Nebula, je suis là aussi, moi. Tu es en train de dire que ton amie Stella est trop faible? Non, c'est juste qu'elle n'a pas la bonne technique pour te battre. Tu es assez vicieuse comme sorcière. Prépare-toi à m'affronter. Je ne recule devant aucun obstacle. Fusée.
Ah, où t'es passé? Pouvoir sorceller. De fait pour près d'une. Je devrais aller te t'aider, mes autres amis. Tu t'en sors, Gwendoline? Sans problème, Nebula. Cette fée me pose quasiment aucun problème. Je serai là pour t'aider. On fait une convergence magique, peut-être qu'elle ne résistera pas à ça. Je résisterai à tout. Je suis une Winx. Les Winx n'abandonneront jamais. On vous battra une fois pour toutes, je vous le promets. Au revoir, puissant des ténèbres. Ah, j'ai entendu des cris. Mais attends-moi, s'il te plaît. Oh non. Musa, je suis prête. Oui, on doit sauver les Winx. Transformation Bloomix. Bloomix. Pas, je suis là. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tiens, tiens. Elle ne résiste pas. Bon, elle a le sang nul. Je vais peut-être les capturer. Ça me fera une belle prise. Tecna! Yeah! Laisse-la tranquille, sale monstre. Je vais te montrer de quoi je me chauffe. Nous sommes toutes réunies et nous allons enfin vous battre. Les filles, c'est le moment ou jamais. Nous devons les tuer une bonne fois pour toutes. Vous allez enfin connaître le prix de la vérité. Mon Dieu, j'ai peur. Votre amie Tecna et Bloom sont hors d'état de nuire. Et votre amie Roxy, je ne sais même pas où elle est. Roxy, protège nos coquillages magiques. Comme c'est intéressant. Stella, qu'est-ce que tu racontes encore? Dans ce cas, je vais pouvoir enfin aller chercher ce qui m'appartient. Déjà, ça ne t'appartient pas. Oui, car c'est à nous. Roxy est bien plus forte que je ne le pense. De toute façon, il ne pourra pas y aller. Il ne sait même pas où est la chambre de Roxy. Et il ne sait même pas si c'est Roxy qui les garde. Je crois que Roxy les avait changé de place. Bon, ça suffit. Je vais vous assassiner avant. Vous, comme ça, vous ne verrez pas votre monde mourir. Qu'est-ce que c'est là-bas? Un grand nuage gris. Pas elle, non.